Bonjour tout le monde. Pendant le voyage en Israël, je voulais partager l'expérience un peu parce que j'estime que ce n'est pas tout le monde qui a une chance pour venir. Donc voilà, moi je dis mon Dieu merci déjà de ce qu'il fait venir. Et nous, bien qu'on n'aime pas égoïste, moi bien envie de partager, qui est dans chanter, qui est dans vidéo, qui est dans la vie en général. Donc voilà. Écoutez, non, je dis à moi de faire l'expérience ensemble avec nous. Je fais une expérience reportage. Pendant toute l'expérience, je vis en Israël. Je prends tellement de photos que c'est difficile pour me faire des photos. Parce que je finis là avec photos à forme de salier. Ça, c'est ancien temple. Ça, c'est le milieu de lamentation. Bon, peut-être que le milieu de lamentation, il y a un peu de monde qui a yo. Ça, c'est le jardin de Gethsémani, ainsi de suite. Ça, c'est tombé tel. Donc, au lieu de faire ça, je préfère maintenant me dire, pendant deux derniers jours, ça, je vais le faire là. Je vais faire une vidéo. Comme ça, je suis capable de partager. Je vais bien chose pour me partager ensemble avec nous. Première expérience que nous voulons faire ensemble, il n'est pas vraiment la mer. Il est comme ça, mais il n'est pas la mer. Ce n'est pas papa vraiment, il n'est pas la mer, parce que pour le mer, il faut le régner avec la mer tout court. Écoutez-nous, il n'est pas relié avec l'autre mer. Okay? Donc, c'est un lac de 810 km², donc énormément grand lac. D'ailleurs, il est entouré par trois pays, qui sont la Cisjordanie, la Jordanie, et bien évidemment, en Israël, côté nous. La mer morte, il faut savoir que teneur en sel très élevé, il y a 20%. Alors que par exemple, dans la mer normale, qu'il y a bien, que ce soit dans la mer des Caraïbes, Atlantique, tout ça, il y a gagné seulement 5% teneur en sel. Donc la mer morte lui-même, il gagne 20%, c'est-à-dire que l'effet, ça a fait que plus chaleur côté lié, a fait que l'eau a baigné dans la mer morte ou pas qu'à nager ou flotter. Question 1. C'est est-ce qu'on s'invitait tant que Marc Jemenard avec tout petit manqué by trois mois. Bah voilà le faire mon saisie là. Est-ce qu'on a flotté dans la mer noire? Ça c'est la grande question à 1000 euros. Quel ou quoi le bail je dis? Est-ce qu'on est capable de flotter? Eh bien on va aller voir. En bon haïtien, quand tu me fais vidéo ça, t'es gagné et on tifle derrière moi. N'a prend départ mais avant de prendre départ nous à informer nous que nous à 2 heures de route de côté de Braléa donc grand pile route et m'a rappelé que côté Miami même côté hôtel moi séjourner à son zone vraiment pile qui c'est le Mont des Oliviers qui c'est nous connaît qui ça Mont des Oliviers représenté pour Jésus pour enseignement li d'ailleurs on a regardé côté Miami au grand pile monde qui vient prier qui vient faire visite de l'IA. Donc on regarde pour par exemple bon moi n'a vie caméra nous a surmonté la ville sainte et sous toute notre zone dans la grand pile monde qui vient en pèlerinage tout ça catholique protestant toutes les religions donc se rejoignent puisque Mont des Oliviers est représenté en pile dans le ministère de Jésus. Donc voilà, mais ça nous va le faire matin, hein? Messieurs et dames, nous allons donc découvrir la meilleure morte que nous allons lâcher là-dedans. Si nous sommes en plein voilà, si. Voilà, donc nous sommes zone Jérusalem Est là, c'est là-dedans nous sommes, donc puisque nous sur la montagne des Oliviers, nous avons l'autre bar, peut-être l'autre reportage que nous avons fait. Mais je dis, on nous découvre ensemble la meilleure morte. Ok. Premier bail pour me dire, enfin deuxième bail pour me dire, puisque je m'étais dit en pile bail déjà, c'est que c'est moi-même qui a conduit. En pile monde m'a dit comment me faire l'autre bois. Premier jour, un bon guide. Le film pour un guide là, me dit bon, on va faire ça à tout. C'est l'avantage qui parle dans ça, c'est que lorsqu'il fait dans site touristique, il y a une explication par rien. Ou toujours capable de lire photo, parce que c'est un site touristique qui toujours met ton image qui peut expliquer qui tout ça, c'est tel bail. Mais il n'y a rien de mieux que de prendre un guide sous place pour expliquer. Heureusement, pour ça, c'est très important. Tant que Jéricho, tant que Bethléem, je prends un guide pour expliquer ma veille. Mais on est bon, déjà, quand on parle là, c'est pas qu'on attend tout le temps. Donc voilà, on est intéressé vraiment pour faire attention aux détails. Donc, je conseille à mon vin aventurer pour nous prendre un guide. Donc voilà, comme moi dis-nous, c'est moi qui ai produit. Israël, son pays, même genre, tout pays lié. Il y a un GPS à donne. Et comme moi, je me parle tellement, dépend des mouns. Nous allons prendre départ pour nous capables de faire 2 heures de temps. Comme on dit nous déjà, Israël est un pays normal lié. Là, tiens, la police. Avec bien des magasins un peu partout. Tout bas est presque écrit en hébreu et en anglais. Franchement, il est presque traduit tout bagaille. Heureusement, parce que tout le monde ne parle pas en espagnol ou bien en anglais ou bien en langue occidentale. Par exemple, espagnol, tout ça, même si on ne pas comprendre l'italien. Bon, il va toujours comprendre. Mais il y a des. Et laisser brouiller, il y a des gens difficiles. Jusqu'où il y a, donc, ouais, en pile, rencontrer en pile, monde
qui vont aller comme ça aller chez Kajara. Chez Kajara lui-même, avantage qu'il y a ce que l'on sorti la donne. Allez, on va aller tout sur le pressé. C'est que l'on sorti la donne, il va accéder directement à la périphérique. Comme toute ville du monde qui est en périphérique qui entoure lui. Et puis après ça, on prend l'autoroute. Et là, on galère un petit peu pour vivre. Bon, vivre la donne, mais une fois qu'on finit, voilà. C'est bien. Alors, on détaille que nous sommes capables peut-être pas remarquer. Après, ici, si on est qu'on fait 20, on ne peut pas vivre. On parle de 20 immeubles, on ne peut pas vivre dans la mesure que tout le cas ici fait en pierre. Dans la ville de Jérusalem, dans surtout l'autre, bien, puis l'autre ville comme ça. Mais par exemple, si on regarde tout aux alentours, et pour faire carrière, l'État obligé, et l'État fait même pas là aussi, l'État obligé. Ou fait en roche et si ou t'a fait en bloc obligé gon revêtement qui semble à ça pour venir couvrir et c'est ça que faut n'a marché dans ville là mon ou pas ouais couleur ou tout ça c'est même couleur OK là nous prend périphérique là nous prend périphérique là pour nous continuer nous va passer dans un tunnel sous la confrontation différence là et c'est dans mon appareil son monde baillon libre donc voilà, allez à tout de suite. L'aime prendre l'autoroute, là m'a fait connait. Environ une demi-heure après leur fin quitter Jérusalem, dans plein autoroute, là on va l'entrer dans le désert vraiment. À partir de, comme pas d'information, ça est très important. À partir de maintenant, c'est 200, on va descendre net. Faut m'avouer nous que nous avons 30 minutes que nous gaspillons pour qui ça. C'est parce que moi j'étais arrivé dans ville le Gedi. Là nous à plus de 90 km de Jérusalem. Et Gedi lui-même lui effectivement au bord de la mer non, de la mer Morte. Maintenant ça fait nous saute pas son checkpoint parce que comme pays en pile ouais c'est dans deux années, là passer dans deux heures comme ça. Mon fou, c'est ma machine là. Laura c'est dans deux heures comme ça. L'État pas présent partout donc on gagne des checkpoint aller en passant checkpoint et puis me dit négo ça. Israël moi j'ai toujours dit oui. Et puis voilà. Donc ce qui veut dire que m'a obligé pour bail organiser, moi rivé côté m'd'a parler là, m'a rivé pour on bail organiser et même te veut dire non bagaille clairement, c'est que côté n'y est là, nous sommes allés à m'd'a parler de l'enap descendre en dessous du niveau de la mer. Et bien actuellement nous à l'endroit le plus bas de la terre. Ouais l'écrit là. The lowest place on earth is right here. Et puis bon, nous parlons de ce qui est le Ngedi, ou même ils ont proposé pour nous nager. En plein désert, ils ont proposé pour nager. Donc déjà, ouais, c'est dans la mer morte que vous pouvez plonger. C'est pas non plage. Comme on dit, on est au milieu de nulle part. On est au milieu de nulle part parce que nous pouvons entrer. Donc voilà. Voilà. Donc, comme on dit, c'est une belle expérience, une très belle expérience. Salut, mais what about là? Bon là, chalet en pile, man. Il fait en pile. Actuellement, il est en fait 37 degrés. Il fait 37 degrés Celsius, donc il est difficile pour être dehors comme ça, sans chapeau, sans rien. Donc, on va voir qui ça a proposé. N'a venu tout de suite après ça. Nous entrons, et là, nous arrivons, les nuits. Une belle surprise quand même, parce que son bail est bien organisé. Paquet pour nous, qui a fait pour aller faire plonger dans la même autre. Il marque réception, ça marque. Il marque entrance plus launch pour 155 Raquel, pour 155 à payer, pour bien entrer. Plus déjeuner, donc c'est pas cher. 155 là, il y a 110 $. Ouais, 110 $. Donc voilà, 55 de 15 $. Donc pour environ 15 $ américains, on a capable de faire bien déjeuner plus. Vous avez appris vos genoux, mais bon, t'as les marques, nous commençons à passer. À tout de suite. Navette, je prends navette. Ok, nous partis. Bon, m'a fait vite pour qu'il ça parce que le téléphone a chauffé. Côté, il a fait tellement chaud que le téléphone a lui-même commencé à chauffer, donc d'obligé éteindre. C'est ça qui fait une étape, nous va joindre, malheureusement. Derrière moi, donc, désert dans la ville Gedi, d'accord, qui arrive jusqu'à Jordanie, et si Jordanie pour partir, devant moi, mesdames et messieurs, bien évidemment, ça nous te promet, nous, comme nous te dit, que nous avons fait, nous arrivons devant la mer morte, avec en pile sel, obligé de faire avec sandales lampio, dans la mesure que celle-là est assez dure, ce qui fait que si vous marchez sous lui, vous risquez
de faux coupés. Donc obligé de marcher avec avec sandales dans le pied. Donc on aime m'a respecté pour aller sur mon yo, m'a pas capable de filmer tout bagaille. Si on a regardé à terre, c'est pas sable parce que tu as l'impression comme où est en mer et enfin où est de l'eau et puis où est en baie blanche, ou qu'a penser c'est sable, ce n'est pas du sale, c'est sel, hein. Ouais. Vraiment sel. Comme si de même preuve. Donc regardez. C'est vraiment sel qui est lié, vraiment sel comme on dit nous. Sensation ali extraordinaire, on regarde en pile moun là qui vient plonger dans de l'eau sale, bon pour corps, bon pour peau et c'est ça qui fait yo créer un espace spécial avec ça. M'a profité pour nous en attendant que gen l'autre moun qui capable vienne font plonger ou même aussi dans la mer morte, pas oublier que dans quelques années encore la science prévoit que la mer morte va disparaître. Donc il y a bon pile moun nan nous capable là qui pas gen chance pour nous aller là-dedans. On garde pour nous si nous capable plonger, d'accord? Puisque question hein, c'était est-ce que Marc Jemenard lui-même Jean-Lier avec toute poil est capable plonger dans la mer. Donc on nous rapproche de lui-même pour nous si donc pas gen vague bien évidemment, et il est extrêmement chaud aussi, même de chaud, bon chaud là, on est aux Antilles donc bah chaud. Mon cher bateau, je suis en bas. Avant moi, je suis en bas. Je suis en bas. Je suis en bas. Celle-là t'a coupé pied. Donc, du coup, je ne vais pas marcher avec celle. Mais je vais garder là. Je vais garder les gens qui ont entré avec pied à terre. Si on est qui a fait le pied à terre, moi aussi, je vais faire le pied à terre. Donc, là, je vais déposer les sandales là. Après, je vais rappeler que nous allons plonger. Expérience en Israël. Nous conduit plus de 2 heures de temps. Regardez quand on monte là. Qu'est-ce que la gomme paquet de pièces là? Même regardez moi ça qui est là, qui mouvement ça qu'a fait là. Nous m'attendons rien. C'est ma magasin bien. Là, hein. Nous prenons moyen pour n'a gaspiller l'argent pour aller miser dans le monde. L'eau est très claire, oui, l'eau est claire parce que comme on dit nous c'est pas de la mer. L'eau est claire. Mes amis, l'aime dire pas la mer. Mais regardez ce sont lac normal. Nous regardez pour nous, sont bon étendu de 810 km². Bon bah allô, nous contact 100 km², ça donc bah ça allô, on va prendre 810 km² pour faire un étendue de l'eau. Bon, nous pensons que nous vivons côté qu'on y a. Bon, si nous la vidéo a été coupée tout à l'heure, c'est parce que il fait tellement chaud que le téléphone n'a qu'on réchauffé. Donc le temps pour le refroidir pour nous capable recommencer encore, ça fait nous venir notre bossy. Nous pas le fond essayer encore puisque comme moi dit nous, les notre dans de l'eau, nous pas gain moyen vraiment pour nous capable nager, nous obligé flotter. Et pour nous capables de flotter, nous allons faire ça. Pour nous capables, ok? Nous quitter chez là, là, puisque pas de vague, pas de risque, vous mettez à fort tout près de l'eau. Pas oublier, dit nous, sable ça, nous aider. Enfin, ça semble à sable là. C'est pas sable, c'est sel qui est lié. T'as allé me faire une erreur énorme, m'entrer et me plonger tête moins dans de l'eau. Ah, mon cher, bon, je couris tout de suite, j'aime bouge. Et puis, comme moi, je devine faire action trop vite, je vais mettre dans le lit toute instruction, pas de quoi. Donc, il n'est pas vraiment conseillé du tout pour fouetter tout en bas de l'eau, puisque sinon, il faut courir tout de suite à le rincer corps. Eh bien, on a le fond flotter encore, on a bref fait expérience hein, pour montrer tout le monde que aussitôt que vous couchez sous la même mort, tout de suite, vous commencez à flotter. Vous remontez sous l'eau, tant qu'on plastique, et c'est celle-là qui fait ça. Regardez, vous remontez tout de suite. Il n'y a rien à faire. Seuls gens pour sortir dans de l'eau obligé font gros effort pour camper sous pied ou obligé font gros effort pour camper sous pied ou parce que souvent font gros effort pour camper sous pied ou moi c'est pas même mine là encore nous avons mine fatigue la mesure que nous conduisons quand même assez loin pour faire retour aller retour là. Nous arrivons merci en pile parce que tu regardes des vidéos là, pas oublier like li, pas oublier share li surtout pour qui ça et pas parce que n'a gagné bah dans ça qu'on ça l'en partageons l'autre bah après plus monde qui ouais et toute sorte à faire dans la vie à ou faire que ou partager ou t'aimer arriver le plus loin possible d'accord donc partager m'bral changer d'accord bien préparer changer et puis dans prochaine vidéo on a font l'autre zone d'accord pas oublier checker YouTube pour capable faire l'autre vidéo ou bien pas Facebook mais non en tout cas ça c'était une visite donc à la même morte. On a rappelé qu'il trouvait lui à plus de 92 km de Jérusalem côté de Sotia. Donc, soit absolument tel à vivre côté Port-Laïa, ou à prendre en pile temps parce que des boys ici à tel à vivre gagne une heure de temps et demi. Donc, soit prendre une heure de temps et demi, on vit une boy ici à plus une heure de temps. Donc, on a pris presque 4 heures de temps pour arriver, soit absolument dans côté Port-Laïa pour aller dans la même mode. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Mais voilà, love l'ombaye ou fait. Donc voilà, merci en pile. C'était vraiment super extraordinaire. Si vous avez chance, fait.
faire. Merci, à bientôt. Ok, bon, je vais vous dire que je suis obligé de faire l'expérience encore pour qui ça. Parce que, en fait, en réalité, l'eau est bien dans l'eau, il est extrêmement imprudent pour capable aller avec pied ou seulement, obligé de faire chita ou respirer de temps en temps. Si vous ne pouvez pas sortir, c'est pour ça que vous avez l'eau tout de suite à côté. Parce que si vous faites erreur de mettre la tête ou la donne, vous êtes capable. Pas bien moyen pour capable sortir ça. Donc nous va faire ça et puis n'a retourner tout à l'heure, n'a dit tout le monde assez pour passer profiter pour être capable et puis n'a faire ça. N'a retourner après ça.